Donc la structure Red Factory, c'est deux véhicules. Je vais m'occuper des partenaires et de la structure. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau challenge. J'aimerais un petit peu de changer d'univers et de trouver un nouveau défi. Aujourd'hui, Honda est vraiment motivé derrière nous pour avancer, continuer à développer. Du coup, Hugo est passé chez Honda avec Jérémy. Hugo va se concentrer sur le championnat de France d'enduro, les classiques et le cross-country. Donc du coup, on est en plein développement, en plein apprentissage de cette nouvelle moto. On commence à prendre des points de repère et puis on va monter en puissance. J'avais à cœur de garder cet entourage qui me va bien. Et du coup, on a trouvé une solution avec Jacques cet hiver pendant ma blessure. J'avais aussi à cœur de revenir sur cette moto après ma progression durant les trois dernières années. Donc voilà, c'est une belle revanche. Hugo aujourd'hui va rouler en 250, c'est une cylindrée qu'il ne connaît pas, qu'il est en train de découvrir. On ne se prend pas la tête, on prend les choses comme elles viennent. Voilà, c'est en train de venir, donc c'est parfait. L'objectif, c'est le titre, c'est très clair. Donc on veut être titré en E1. Là, on est en train de trouver des solutions, donc ça s'est vu sur les dernières courses et j'espère que ça va encore s'améliorer. Après, je pense qu'on va monter en puissance avec d'autres pilotes qui rouleront en 2,5 cap temps, mais on verra au fur et à mesure des années. Deuxième, Romain Damien, et vainqueur, il réalise le doublé, Hugo.